sa passion. Qu'il se prépare. Je les mènerai vers le glorieux combat. Votre ambition est médiocre. Nous voyons par-delà la Terre les mondes infinis que le Tesseract nous révélera. Mais vous ne l'avez pas encore. Vous aurez votre guerre. Vous voulez ça? Oui, l'iridium. Ça forme des antiprotons dans les météorites. C'est dur à trouver. Surtout si le SHIELD le sait. Que vous faut-il? Un moyen de diversion. Par ici, Captain Rogers. Je connais des gens qui meurent d'envie de vous rencontrer. Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Solid Space sur le Lego Marvel Marvel Super Heroes, non, Marvel's Avengers, c'est la suite. Alors là, on se retrouve à New York, je dirais, comme ça. Donc là, on est dans le hub, et donc a priori, voilà, faut qu'on suive les pièces fantômes pour rejoindre la suite. Et vous voyez, on a une mini-carte maintenant en dessous, avec plein de points. Donc les points jaunes, ça doit permettre d'accéder a priori à des briques dorées. Les mauves, enfin les violettes, je ne sais pas. Mais bon, a priori, on s'en fiche parce que pour l'instant, on a vraiment très peu de personnages. Le principal pour l'instant, c'est de faire tous les niveaux en mode normal. Enfin, en mode histoire, voilà, je vais y arriver. Et par la suite, on pourra se focaliser sur les refaire avec des persos qu'on aura débloqués pour essayer de débloquer tout ce qu'on n'a pas débloqué, notamment les briques rouges, parce que ça, les briques rouges, ça va être très important. Parce que ça permet plus ou moins le cheat, mais c'est du cheat qui est compris dans le jeu, on va dire, hein, puisque il faut le débloquer, donc ça permet en fait de débloquer les différents trucs. Ah, on peut acheter l'aimant à pièces direct. Les déguisements, bon, ça, on s'en fout. Et la visée de joueur 2. Ça veut dire quoi, visée de joueur 2? Pas trop compris. Donc, techniquement, on pourrait déjà acheter l'aimant à pièces, qui peut être pratique. C'est-à-dire que s'il y a des pièces qui sont hors d'atteinte ou quoi, on peut en gros les avoir de plus loin. En passant à côté, sans forcément marcher dessus, ça passe. Est-ce que je peux pas... J'allais dire, est-ce que je peux pas piquer une voiture? Si, on peut piquer des bagnoles. Ah, normalement d'habitude en shootant des trucs on récupère automatiquement les pièces, mais là apparemment ça ne marche pas. Il a bien changé, c'est... What? Pourquoi ça se sépare? What the fuck? Ok. Je comprends pas trop. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a deux niveaux différents. En fonction du perso, peut-être en fonction du perso qu'on veut débloquer. Donc là, a priori, on est parti pour un nouveau niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Explique-nous. Le Tesseract serait dangereux entre les mains de n'importe qui, mais Loki? Je n'ose pas imaginer de quoi il serait capable avec un tel pouvoir. Le dieu du mal pourrait s'en donner à cœur joie pour faire régner la terreur. Pourquoi veut-il le Tesseract? Son sceptre n'est pas assez puissant? Espérons que notre petite équipe d'experts pourra le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'on voyait Iron Man et Thor se battre. Je me rappelle pas de ça, mais c'est possible. Enfin, si ça ne vous ennuie pas. Non, bien sûr que non. Elles sont vintage. Il m'a fallu 2 ans pour les réunir. Ah oui, ces cartes, les fameuses cartes de Coulson. On peut décolorer, mais... C'est vraiment un très grand honneur de vous avoir à bord. J'espère être à la hauteur. Vous l'êtes. Absolument. Ah...
Oh merde. Oh mais quel boulet. Ah, l'héliporteur. Agent Romanoff, nous revenons avec le Capitaine Rogers à bord. Nous avons besoin que vous prépariez la piste pour l'atterrissage. Mais il fout de la merde là, ces cons là. Ou la veuve noire. Ah, alors là par contre c'est vraiment un niveau pour le coup, hein. on voit une affiche là-haut. Je vais sauvegarder tout de suite. Il me semble qu'il disait que c'était dans l'héliporteur qu'on pouvait avoir accès après à la boutique d'achat, une boutique de personnages et tout ça. Donc en fait, il fallait peut-être faire ce niveau-là avant de pouvoir le débloquer, même dans le hub en fait. Mais c'est pas moi, c'est pas la peine de m'engueuler là. Ah, ça tombe bien. Veuve noire, elle est habillée en noir. D'où son nom. Pas logique. Ouais, je farme encore les pièces hein, pour changer. Ça va être beaucoup ça au début. Hein. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Mais non, mais... Ah, j'ai pas encore Captain, donc je ne peux pas machiner ce truc-là déjà. Aux commandes des lumières des rangs. J'étais en train de me poser la même question, je me dis ils sont quand même débiles, genre, le mec il est même pas accrédité à allumer la lumière quoi. Bravo. N'importe quoi. Welcome. Genre le SHIELD, c'est vachement leur genre de faire un comité d'accueil pareil, même pour Captain America. T'sais. C'est vachement leur genre. Je peux pas genre péter le haut-parleur? Apparemment non. Alors. Ça ok. Alors est-ce que simplement je dois faire ça? Je sais pas ce que je dois faire avec ce, avec le gazole là. Ça m'emmerde un peu, je veux dire. Je suppose qu'il faut que je l'enlève, je vais pas avoir trop le choix, parce que sinon ça pourrait bien exploser. On savait que c'est pas chronométré quoi. Oh, ce snipe à une telle distance. Bon, ça sert à rien, formidable. Alors j'ai le truc là-bas. Ok, tout ça pour ça. Remarquez, il y avait 4 pièces bleues dedans, c'est toujours surpris. Ok, ensuite...
ça dans mes scénarios. Où est-ce qu'il est? Je t'ai entendu, salaud. Stanley, t'es où? Ok, ça va, le premier il est là, le deuxième il est là, le troisième il est là. Merde, le quatrième il est là. Alors, il laisse quand même Bruce Banner se balader librement dans l'héliporteur. Remarque, tant que personne le fait chier, ça passera quoi. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? D'accord, c'est juste ça. Allez, il faut nettoyer le gazole. Ok. Nouvel officier de signalisation aérienne du Shield, à votre service. Enfin, si je savais. Oh, il a perdu ses drapeaux. Oh, faut les trouver maintenant. Ils sont où? Ils sont là-haut. D'accord. Ah, ok. Je vois que maintenant il y a des trucs qui sont apparus pour Black Widow. Genre, t'as pas, genre, j'ai pas compris où est-ce que tu voulais en venir. T'sais. Alors, tac, 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 et tac. YOLO. Je récupère des pièces en plus. Bon, je suppose que elle a pas de grenade ou quoi pour faire péter ça. Hop, je peux même aller jusqu'à l'autre côté. Mais où est-ce qu'il est, lui? Je l'entends, je le vois pas. Salaud. Il doit être encore en train de se planquer quelque part. Vous les avez. Ouf. Allez. Donc ça va être plein de missions comme ça pour le aussi dans le hub a priori. Voilà, alors normalement Queen Jet va pouvoir se poser maintenant. C'est bizarre parce que j'ai Bruce avec moi, mais visiblement il ne me sert à rien. Agent Romanoff, Captain Rogers, madame. On vous attend sur le pont pour la localisation. A tout à l'heure. On a beaucoup parlé de votre découverte dans la glace.
J'ai cru que Coulson allait s'évanouir. Docteur Banner. Ah, salut. Ils m'ont dit que vous viendriez. On dit que vous pouvez retrouver le cube. Et c'est tout ce qu'on dit sur moi? C'est tout ce qui m'importe. L'autre, il fait des pompes au milieu de la piste d'atterrissage, quoi. Même pas de ta normalité. À tout le personnel, regagnez votre poste pour le décollage. Je répète, tout le personnel doit rentrer immédiatement. Messieurs, vous devriez rentrer. Ça va devenir irrespirable. Est-ce que c'est un sous-marin? Vraiment. Moi, dans une boîte en métal immergée et pressurisée. Non, ça va pas devenir un sous-marin, pas vraiment. Ah là 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 là. Voilà, un de mes rêves, ça serait de pouvoir avoir le Lego. Ce truc là, donc l'héliporteur du Shield mais en Lego, il fait presque 3000 pièces je crois, mais bon ça vaut 350 euros. Messieurs, on a un résultat. Où? Stuttgart, Allemagne, 28 Königstrasse. Il ne se cache pas vraiment. Captain, à vous. Ouais, il fait pas semblant, Loki. À genoux devant moi. J'ai dit à genoux. D'obéir à un sale petit mégalo. Stanley, il est con. Qu'il vous serve d'exemple. Le soldat. L'homme hors du temps. Moi, je suis hors du temps. Loki, lâchez votre arme et rendez-vous. Agent Romanov, je vous ai manqué. Oh, cette musique. Tintin. Votre soif de soumission. Iron Man. Piou. Piou. Bon, je farme encore les pièces, mais au moins maintenant j'ai Iron Man. J'ai mon gros lavaire. Ouais, mais il balance des bagnoles maintenant, mais n'importe quoi. Oula. Le mec, il a que ça à faire, quoi.
section de l'histoire où vous gagnez. Bon, ça, je suppose que c'est le truc pour sauvegarder, mais je vais pas sauvegarder. Je peux carrément aller là-haut. Ah oui, non, il y a juste ça, ok. Ouais, je fabrique une grille pour quelqu'un que je n'ai pas avec moi. Formidable. Ça, il a les moyens de rembourser les bagnoles qui pètent. C'est bête d'ailleurs qu'on n'ait pas accès au compte en banque de Tony Stark en pièces de Lego. Comme ça, on serait tranquille, j'aurais même pas besoin de les farmer. Bon bah ça se détruit bien tout ça, c'est cool. Ça me fait pas mal de pièces. Il me reste plus beaucoup à obtenir pour avoir être considéré comme un véritable Avenger dans ce niveau. Faut que j'aille voir aussi parce qu'il y avait le truc, il y avait le vélo qui était attaché par une chaîne. Je me demande si on peut pas en faire quelque chose de spécial. Bon là apparemment ce truc bleu il me faut un truc spécial pour le casser mais je sais pas quoi. Tiens, y a ça que j'ai pas détruit. Bon là je sais ce qu'il faut que je fasse, hein. Il faut que je détruise les trucs jaunes qui traînent. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je suis en vélo, il faut que je suive les pièces. Eh, hey, mais laisse-moi tranquille, c'est mon vélo. Ah ouais, mon vélo. Oh là là, les salauds. Vous tomberez tous avant moi. Avec cette musique, il colle pas du tout, quoi. What? Ils m'ont tué!
en train de perdre les pièces que j'avais. Ah l'enfoiré. Il me faut un capteur, je crois. Coucou. Voilà, dégage. Drapeau blanc, genre. Pas un mot. Allez, ramenez-le. Il pète la forme. Vous êtes dynamique, pour un vieux. Fiori ne m'a pas parlé de vous. Oui, il vous cache beaucoup de choses. Je suis ton père. J'écoute. Allez, baston! Ça vous dépasse, homme de métal. S'il renonce au cube, je vous le laisse. En attendant, dégagez, touriste. L'autre, il... Oh, le spectacle! Ah, c'est pas encore fini. Oh, d'accord. Grosse ambiance, donc. Bon, au moins, j'aurai certainement la véritable... Je serai certainement véritable Avenger sur ce niveau. Ok, je dois détruire des araignées. Il y en a 5 dans la zone. Ça va pas être simple à trouver à mon avis. Voilà. Je suis un véritable Avenger. C'est bien, les bruitages, ils ont pris à peu près les mêmes pour les films que pour les films pour les propulseurs. Non, je sais comment ils appellent ça. Si, c'est ça, les propulseurs, je crois. J'ai pas trouvé d'autres araignées. Je suis en train de chercher, mais j'en vois pas d'autres. Alors, le capteur. Hey!
Dégage. Posez ce marteau. Il est long ce niveau. Bon, attendez, j'ai les araignées à buter par là. Plus des pièces à récupérer. De ce côté-là, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Seuls les personnages munis de griffes ou d'articles pour creuser. D'accord. Il va me falloir un truc électrique visiblement. Ah là là, ok. Avec le bouclier de Captain America, il faut que je dévie le faisceau électrique. Et là, ce truc fissuré, il m'aurait fallu Hulk, que je n'ai pas. What the fuck? Toujours pas fini. Oh mais merde, s'il vous plaît là. Ah, les deux dernières araignées sont là visiblement. Allez, ça c'est fait. Le capteur. Ok, alors le premier est là, le deuxième est par ici. Le troisième et quatrième, ils doivent être dans le coin. Il y en a que d'autres. Ha
L'autre il fait coucou. Oh mon dieu. C'est tellement débile. Alors, hop. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était les armures Iron Man qui viennent de se faire découper en deux-deux là. C'est l'armure. C'est la Hulkbuster cette armure ou quoi? Ah non, c'est un canon, d'accord, je ne comprends. Ce marteau. Que je pose ce marteau. C'est réglé. Shakespeare dans le parc. Ah bah au moins ça, ouais. Elle est là. Excelsior. Black Widow. Bruce Banner. Captain America. Putain, j'en ai tellement de variétés différentes maintenant. Iron Man dans la MK6. Je sens que je vais avoir une tonne d'armure Iron Man aussi. Bon, lui, voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question, le coup du Excelsior que vous entendez, en fait c'est un mot que Stanley disait souvent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on entend l'Excelsior. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Lego Marvel's Avengers. Et on se retrouve, comme à chaque fin d'épisode, pour la suite de ce Let's Play. A plus.